J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes éclatés sur les arrivages de Noz. Je crois que cette année, je vous ai gâté pour cette fin d'année. Et vous allez voir que je vais également vous gâter deux fois dans deux halls. Donc, je vous allez avoir deux halls, Noz et Action, avec deux surprises à l'intérieur. Monsieur Namasté est en train de faire du bruit. Hein. Il a sa fameuse cloche. C'est le début. Joyeux Noël les filles! Voilà, je ne sais pas à quel moment vous allez le voir. On vous souhaite un joyeux Noël, de passer également de bonnes fêtes en toute simplicité. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à l'heure où je filme. Mais en tout cas, joyeux Noël à tous et toutes. Et une pensée pour ceux qui sont tout seuls, comme ma maman qui est seule actuellement. Alors pour cette occasion, je vous ai fait un petit décor de Noël en toute simplicité. Voilà, et donc on y va avec les décos de Noël. Donc j'ai pris cette jolie cloche à Action. Et c'est vrai que finalement, on s'est dit qu'on allait la mettre à l'entrée. Pas forcément que pour Noël, hein, Monsieur Namasté. On va peut-être la laisser même toute l'année. Pourquoi pas? C'est pas un objet spécifique pour Noël. Oui. Il est vrai que j'ai manqué à mon devoir de remercier les nouvelles namastés qui sont arrivées sur la chaîne. Bien évidemment, sur les halls qui sont rares, eh bien, on n'est pas sérieux, hein, on n'est pas à Noz, voilà. On est à la maison, donc on s'amuse. Et on se détend, voilà. Donc, j'ai pris comme ceci à Action également 3 LED. Ce sont des fausses bougies, comme ça, c'est sans risque. Et vous allez voir, vous rappelez, à Noz, j'ai acheté une espèce de cloche un petit peu couleur argentée. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre la petite dessous. Je vais y arriver quand même. Oui, voilà, Monsieur Namasté vous la montre. Et puis, on vous montrera ce que ça donne. Je vous mettrai une petite inclusion. Et je me suis dit qu'après, je pouvais réutiliser le kit pour ma montée d'escalier, vu que le kit était en solde, enfin en promo, à 4,92€. Alors, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, pour mon anniversaire, je me suis acheté ce petit pied photophore. Voilà, enfin non, c'est pas photophore, c'est un chandelier en verre avec des petites strass. Voilà, je vous le montrerai de plus près. Et puis, j'ai pris la petite bougie pour aller avec. Ça va aller parfaitement dans mon salon. Voilà, on n'est jamais servi mieux que par soi-même pour se faire des petits cadeaux. Lol. Et j'avais besoin un peu de choses pour décorer derrière, donc j'ai pris à 1,20€ comme ça, ce petit tablier. Vous allez voir, en fait, ça fait comme une forme de tablier, et donc je vous l'ai mis ici, mais je crois que vous ne le voyez pas, donc je vous le montrerai de plus près. Il était à 1,20€, donc non, 2,95€, je raconte des bêtises. Et vous avez vu, vous voyez des jolies fleurs ici en velours. Elles étaient à 1,19€. Vous aviez des blanches et des rouges comme ça. Et je trouve que c'est très joli. Vous allez voir, je vais vous montrer de toute façon. Donc j'ai pris des petits rouleaux comme ça pour la table, donc pour faire des chemins de table. Donc celle-ci c'est pour Noël, je passe à Monsieur Namasté, c'est mon boy aujourd'hui. Et puis j'en ai pris comme ceci, donc c'est des formats classiques, hein, où je vous mettrai les dimensions. J'ai pris du rose gold parce que dans ma chambre j'ai un meuble où je mets mes parfums, tout ça. Et puis je prends mes médicaments, souvent je salis. Et donc je me suis dit, bah ça c'est facile, ça va dans la chambre. Et puis vous voyez, en plus c'est super joli au niveau des coloris, et j'en coupe un bout, hop, c'est sale, et je jette. Alors, les filles, à 3,29€, j'ai pris comme ceci un chemin de table, 45 sur 150. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa, en noir, avec ses petits sapins. Alors, pour ma belle-mère, j'ai pris comme ça une tenue de maison. Alors, le haut est un peu style... style quoi? Panthère. Oui. Panthère, hein. Voilà, et puis vous avez un pantalon, ça fait une tenue, on va dire, de maison assez sympathique. Il est en velours, voilà, je vais lui donner sûrement pour la période de Noël. Alors, vous vous rappelez que à Noz, j'avais acheté un porte-bouteille pour le transformer en sapin de Noël. Donc, je vais vous montrer ce qu'il donne sur le côté. Et donc, j'ai acheté une guirlande comme ça à LED, donc qui était avec 100 petite lumière et avec une télécommande, et vous pouvez faire varier, on va dire, le débit des lumières. Voilà, donc je vous montre ça sur le côté.
Pour ma belle-mère également, j'ai pris un petit vêtement comme ça en coton, en taille S. Voilà, c'est pour mettre sous ses pulls d'hiver. Et également, je me suis fait un cadeau pour Noël cette fois-ci. Voilà, je me suis fait cette petite cape, voilà, avec une tête de lapin pour avoir bien chaud, voilà, et avoir l'air ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. Alors à 65 centimes également, j'ai pris ces petites cagettes comme ça, miniatures, pour mettre une petite entrée pour Noël, voilà. Hein. On va faire ça très simple, mais on va le faire quand même. Et pour terminer, Action, j'ai pris des petits boxers comme ça. Voilà, j'ai pris des grandes tailles parce que j'aime bien être à l'aise. C'est vraiment tue l'amour ce genre de truc. Mais bon, qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur. Et je vous conseille vraiment de les essayer. Vraiment, j'adore. Puis, pour celles qui ont vu les arrivages également, j'ai pris cette petite étoile. Donc, qui valait 34,99€ de la marque Dépôt. Et qui, au final, m'a fait 4 euros, je crois. Ou 4,99€. Je vous mets ici l'effet que ça donne, c'est super. Franchement, c'est peut-être trop tard pour la prendre maintenant, mais franchement, même pour l'année prochaine, c'est hyper sympa. Bon, bah comme on va baver, j'ai pris des petites serviettes, voilà, avec ce petit camion Happy Christmas à Noz, toujours. Et puis, j'ai pris également pour manger comme ceci, pour faire des gâteaux, de la levure chimique et du sucre vatinier. C'était à 99 centimes le petit paquet. J'ai pris également comme ça de la marque Dossi, des petits légumes. Alors dedans, vous avez, c'est de la mochette de Vendée. Donc en 3 minutes, poêlée vendéenne. Hein. Voilà, c'est rapide, ça dépanne. Mon fils s'est pris des petits gâteaux comme ceci, bien évidemment. Monsieur Namasté s'est pris sa petite bière que je vous présente sur le côté, pour celles qui ne le connaissent pas encore. Et j'ai pris de la soupe bio de la marque Knorr, légumes d'été à la crème fraîche, malgré qu'on soit en hiver. Alors j'ai pris également un petit kit comme ceci d'huile essentielle à 1,49€. Et à l'intérieur, vous avez un petit mélange d'huile essentielle. Alors un, c'est pour le dos et les épaules. L'autre pour les muscles et les douleurs articulaires. Et le troisième, c'est pour dormir. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Et j'ai pris comme ceci une petite tasse, voilà, pour ma modo qui est Marion à 1,20€ puisqu'elle me gère mon Facebook et vous met souvent les bons plans, voilà. J'ai pris également mes petites éponges magiques parce que je les adore à 1,19€ et mon fils s'est pris comme ça du café, enfin du double crémi, voilà, café royal à 69 centimes. On n'a pas encore goûté les autres sous ton frigo. J'ai trouvé comme ceci à 99 centimes un petit oiseau, voilà, donc il sera sûrement dans mon calendrier de l'Avent. C'est une petite boîte à bijoux, je l'ai trouvé trop trop beau, voilà, et donc eh bien je vous le montrerai également sur le côté pour le prix 99 centimes, ça valait pas le coup de s'en priver. J'ai pris deux produits de la marque Corinne de Femme. Vous avez vu dans mes arrivages, je vous le mets dans le petit i, que j'avais trouvé des produits bio de cette marque. Et donc là, c'est une eau micellaire détox à la verveine à 1,99€. Donc là, c'est pour vous. Et puis moi, je me suis pris un petit soin comme ça, 2,69€, qui est une brume de soin détox à la verveine également et bio. Voilà, surtout pour vaporiser au niveau du décolleté. C'est là où on vieillit le plus. On passe au hashtag bijoux avec la marque que je vous avais dit que je vous mettrai à Noël. Donc qui était cette petite marque avec des bijoux qui valaient entre 2,50€ et 3,99€ et qui avait des prix allant jusqu'à 20€. Donc j'ai trouvé ces très jolies boucles d'oreilles et j'ai pensé qu'elles allaient vous plaire. Donc n'hésitez pas à mettre hashtag boucles d'oreilles bleues, comme ça je comprendrai dans votre commentaire comme d'habitude. Tirage comme d'habitude, hein, être abonné, de temps en temps actif dans les commentaires et donc habiter la France métropolitaine et la Belgique. Également j'ai trouvé ces très jolies boucles d'oreilles, elles sont magnifiques, prix de départ 11,95€ et également j'ai trouvé ce très joli collier, donc il y en aura aussi dans la deuxième partie du haul. Il est magnifique, il est avec doré avec des petites perles un petit peu nacrées, 9,95€ au départ et je crois que je l'ai payé environ 3,50€. Voilà, juste après les au revoir, vous aurez donc le premier lot concours et on se retrouvera pour le deuxième dans l'autre haul. Je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes vacances, également de bien vous reposer et de passer de belles fêtes de Noël. Et on se retrouve pour les arrivages Noz très vite. Allez, je vous dis tchuss et à bientôt.
Merci les filles d'être présentes à mes côtés. Merci d'avoir séché les larmes de la maladie. Merci d'avoir guéri mon cœur du décès de ma fille. Merci pour votre bienveillance. Bien évidemment, il y aura des petits plus à chacun des lots. Donc tout ça, tirage, on va dire, les filles au mois de janvier, pour que Monsieur Namasté puisse vous les envoyer courant janvier. Les résultats seront dans le poste communauté. Donc je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir où trouver les résultats. Les nouvelles abonnées peuvent participer tout à fait au hashtag bijoux. D'ailleurs, vous pouvez participer à tous les hashtags bijoux. Pour le concours, simplement m'envoyer un mail à l'adresse que je vais vous indiquer avec votre pseudo YouTube, votre nom, prénom et adresse précise et votre capture d'abonnement. Habitez la France métropolitaine ou la Belgique. Petit cadeau de Noël et passez de très belles fêtes.